Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau jeu sur la chaîne, qui est donc Post-Mortem. Et donc, je le dis tout de suite, le jeu est fortement déconseillé aux moins de 18 ans, parce qu'il y a des thèmes abordés qui sont assez durs. Donc voilà. Donc le jeu a été édité, développé et distribué par le studio français Microids. Donc je connais pas ce studio, je me rappelle pas d'avoir fait de jeu de ce studio. Donc voilà. Peut-être que vous les connaissez. En tout cas, pas moi. Donc le jeu est sorti le 13 novembre 2002. Donc il est pas tout jeune. Les graphismes ne seront pas comme les nouveaux jeux, évidemment, vu que c'est un jeu de 2002, il aura des graphismes de 2002. C'est logique. Sinon, le jeu m'a été offert par une amie pour, on va dire, mon anniversaire, vu qu'elle me l'a offert quelques jours avant, donc on va dire que c'est un cadeau d'anniversaire, voilà, bref. Donc pour le prix du jeu, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il est autour des 20 euros, un truc comme ça. Peut-être un petit peu moins. Mais voilà, quoi. Donc sinon, le jeu, en fait, fait partie de la série Still Life. Donc, je sais pas si vous connaissez ces jeux-là, mais en fait, ce jeu-là, Post-Mortem, donc, est le premier de la série des Still Life. Donc, apparemment, enfin, sous mon nez, j'ai une phrase qui me dit leur lien avec Post-Mortem n'étant pas apparent au premier abord. Et moi, en l'occurrence, justement, je ne savais pas du tout que c'était un jeu de Still Life, parce qu'en fait, les Still Life m'intéressaient assez. Et je voulais les faire. Et donc quand on m'a offert ce jeu, j'étais assez contente de savoir qu'il faisait partie des Still Life. Donc voilà. Donc du coup celui-ci est le premier. Et peut-être que si je peux, je ferai les Still Life plus tard si ce jeu-là me plaît. Donc je verrai bien. Donc je pense que j'ai tout dit, même si je pense m'être embrouillée. Je sais pas si j'ai été assez claire dans ce que j'ai dit ou quoi. Donc voilà. Donc... Pardon, je suis malade. Enfin, je suis malade. J'ai mal à la gorge surtout. En plus, je viens de le tourner Amnesia juste avant, donc j'ai un petit peu crié. Surtout pendant les coupures, donc voilà. Bref. Oui, donc je sais pas si je l'ai dit, je crois pas. En fait, ce jeu-là remplacera les vidéos de dimanche parce que je voyais bien que le jeu, donc celui que je faisais en ce moment le dimanche, plaisait pas en fait parce que je voyais très bien. Comment dire, je vois très bien que les vues en fait étaient pas au top. Enfin, je m'en fous des vues carrément parce que franchement je suis personne donc je m'en fous des vues. Quoi. Je fais ça pour m'amuser mais si ça vous plaît pas non plus, je vois pas l'intérêt à le faire en fait. Parce que si vous aimez pas, moi ça va décourager à pas continuer le jeu donc voilà. Donc voilà donc le jeu. Je me rappelle même plus du nom du jeu, vous voyez. En fait, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, donc... Enfin bref, c'était Wonderland machin, qui était inspiré de Alice au Pays des Merveilles, donc... il est... Enfin, je l'arrête, parce que... Voilà, quoi, ça vous plaît pas, apparemment, et... Je tiens pas vraiment à faire des vidéos qui plaisent pas, parce que le but, c'est de s'amuser ensemble, en fait. Voilà. Tout simplement, bref. Voilà. Donc j'espère que celui-ci vous plaira. J'espère vraiment parce que moi il m'intéresse assez. Et en fait justement, bah, enfin, en fait il m'intéresse parce que on incarne un détective privé. Et moi j'aime beaucoup les jeux de ça justement, enfin faire des recherches et tout. J'aime beaucoup ça. Donc voilà. Donc sinon le jeu est un on va dire point and click vraiment parce que en fait il se joue uniquement à la souris parce que je l'ai testé et comme vous voyez j'ai écrit chargé une partie juste ici bref donc je l'ai testé et apparemment il se joue juste à la souris donc voilà bon j'espère avoir tout dit et que ça a été clair parce que ça fait presque 5 minutes que je parle pour rien dire en plus donc on va commencer une nouvelle partie. Oui, je l'ai dit que le jeu était interdit aux moins de 18 ans. Je sais plus, je crois. Enfin bref, ce soir je mettrai sûrement un message sur la miniature et sûrement aussi en bas de la vidéo ou avant, je ne sais pas, je verrai.
Bref, je me tais et on commence. Est-ce qu'on se regarde encore longtemps ou vous m'invitez à entrer? Ok, donc voilà pourquoi le jeu est interdit aux moins de 18 ans. C'est assez dégueulasse. Donc, comme vous voyez, on peut choisir ce qu'on répond. Donc, là, on peut être prendre un temps froid, et je crois, je l'ai découvert après, qu'on pouvait choisir les émotions. Voilà, charmeur, nerveux, froid. Donc ça, je l'ai découvert après avoir testé le jeu. Et donc du coup, moi en fait, quand j'ai testé la première fois, j'ai pas utilisé ce système-là. Donc je vais être froid parce qu'on la connaît pas. Enfin. Et que me voulez-vous juste? Vous avez besoin d'argent? J'ai besoin de vos talents de détective. Ok. Donc je disais, oui, on la connaît pas, donc je vais prendre un ton froid. Donc en fait, donc on incarne ce monsieur, hein, vous voyez, qui s'appelle Gustave McPherson, qui est un ancien détective qui s'est mis à la peinture. Donc par charmeur, hésitant. Un point d'hésitant, ouais. C'est plus le métier. On va répondre ça. Non, je ne vous suis d'aucune utilité. Je suis peintre, pas détective, plus détective. Désolé. Si vous désirez me rencontrer.
Ok, donc comme vous voyez, comme j'ai dit, c'est un point and click, hein, parce qu'on peut juste se déplacer en cliquant et avec la souris, donc pas de clavier. Je sais pas si je l'ai dit, je crois bien, mais le jeu est sorti en 2002. Donc forcément, il a des graphismes de 2002. C'est quoi ça? Ok, des pièces et... Non, je voulais voir l'inventaire, apparemment il a un inventaire, mais... Ah, ok, c'est le clic droit. Je vais voir la carte qu'a donnée la fille. Carte de visite de Sophia Blake. Miss Sophia Blake, téléphone Élysée 1258. Ok, on a que ça. Je sais pas ce qu'on a pris là. Ok, donc des dessins. Ah ouais, ça doit être les siens vu que maintenant il est peintre. Et ça, c'est quoi? Ok, on peut rien faire avec ça. Donc en fait, je redécouvre un peu le jeu parce que j'ai joué il y a un mois. Donc je ne sais plus vraiment ce qu'il faut faire. Je me rappelle juste avoir été bloqué à un moment, enfin c'est dans assez longtemps, donc c'est pas grave. Ok, donc des fois on peut rien faire avec les objets. Là, on peut rien faire. Ok, donc je pense qu'on va aller l'appeler. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire en fait. À moins qu'on puisse partir. Ouais. Mais. On peut aller nulle part. On va rester là. Donc, je sais pas si je l'ai dit. En fait, je me suis tellement embrouillée au début de l'épisode. Bref, je pense que j'ai dit le principal. Mais le jeu se passe dans Paris des années 20. Bonsoir, quel numéro désirez-vous? Donc on peut envoyer un télégraphe, un télégramme, pardon. Pourquoi envoyer un télégramme? Le bureau des postes et télégraphes. Donc là, on peut soit appeler Sophia Blake, soit envoyer un télégramme. On va envoyer un télégramme, on va voir. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Je voudrais le bureau des postes et télégraphes, s'il vous plaît. Pour envoyer un télégramme. Tout de suite, monsieur. Poste et télégraphe, j'écoute. La voix, elle est bizarre. Un télégramme envoyé à New York, s'il vous plaît. Destinataire se nomme G. Wales de Pickerstone National Detective Agency. Ok, donc là, en fait, on peut demander des renseignements sur. Sophia Blake, donc on va faire ça. J'ai un télégramme à envoyer à New York, s'il vous plaît. Le destinataire se nomme J. Wells, de la Pinkerton's National Detective Agency, au 57 Broadway. Je vous le dicte. Besoin, renseignement sur une femme nommée Sophia Blake. C'est noté. Cela partira dans la matinée. Terminé? Ok, et maintenant on va appeler Sophia, parce que je pense qu'on peut rien faire du tout. Donc, si le son n'est pas assez fort ou même trop fort, vous pouvez me le dire parce que j'ai un petit peu réglé selon comment je pensais que ça était bien parce que j'ai un peu écouté donc enfin, j'ai pas enregistré pour tester mais j'ai fait comme ça vite fait. Mais je pense que c'est bon là parce que moi ça me dérange pas donc je pense que vous non plus ça vous dérangera pas.
Parce que j'ai baissé un petit peu la musique, justement. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Je voudrais Élisée 1528. Je voudrais parler à Sophia Blake. Tout de suite, monsieur. Sophia Blake, qui est à l'appareil? Ok, donc là, on n'a pas le choix. On peut dire que ça. Donc, se rencontrer. Ouais, mais sinon, je pense qu'on n'a pas le choix parce que... Mademoiselle Blake, ici Gus MacPherson. On peut aller nulle part, donc. Pourrions-nous nous rencontrer? Je voudrais éclaircir certains détails avec vous. Rejoignez-moi dans une heure au restaurant Alexandre. Nous discuterons là-bas. Ok, au restaurant Alexandre. Il y a pas mal d'Alexandre dans mes jeux. Déjà dans Amnesia, on doit tuer Alexandre. Et là, il y a encore un Alexandre. Il n'y a rien derrière ce rideau. Je l'ai vu tout à l'heure, mais... Non, il n'y a rien. Donc, il faut aller au restaurant Alexandre. Donc, c'est parti. Il n'y a rien à mettre. Pas de chaussures, pas de chapeau, pas de veste. Non, rien. Donc, on y va. Restaurant Alexandre. Ok, donc on peut soit aller par là, soit parler au monsieur, je suppose, oui, voilà. Donc je voulais dire, il y a beaucoup de dialogues dans le jeu. Donc je pense que je vais parler pendant. Pas pendant les cinématiques, mais pendant les dialogues, genre comme celui-ci là. Bonsoir, monsieur. Parce qu'il y en a beaucoup. Bienvenue chez Alexandre. Monsieur désire-t-il quelque chose? Enfin, parler. Hein. Parler un petit peu, quoi. Pas. Soit pas dérangeant, quoi. Mais bon, il y en a beaucoup, donc. Je pense qu'on va dire ça parce que justement elle peut nous retrouver ici, donc je pense qu'elle a une table. Il y a une table réservée au nom de Blake, Sophia Blake. Je viens rejoindre madame. Mon nom est Gus MacPherson. Si monsieur veut bien me suivre, mademoiselle Blake vous attend. Je savais que vous ne pourriez résister très longtemps, monsieur MacPherson. Vous êtes donc prêt à écouter mon offre? On va voir ce que tu as à nous dire. Ça, je comprends bien, ce n'est pas le pain qui t'intéresse. Sympathique. Rien d'indécent. Nerveux. Ok, donc on a sympathique, nerveux et direct. On va répondre nerveux. Oh, on a curieux aussi. En fait, j'hésite. Ça là me tente pas mal. Je dis ça comme si c'était un choix de vie ou de mort. Enfin, un choix hyper important, mais bon, c'est juste un dialogue, quoi. Je pense que ça influe... Pardon. Je pense que ça influe un petit peu... sur ce qui se passe, mais je sais pas à quel point, donc voilà. Nous ne sommes jamais rencontrés auparavant. Je n'ai jamais travaillé pour vous, ni ici, ni à New York, et voilà que vous me demandez de trouver l'assassin de votre sœur. Pourquoi moi, mademoiselle Blake? Votre réputation vous précède, monsieur MacPherson. J'ai des amis qui connaissent du monde à la Pinkerton Agency de New York. Vous y avez travaillé comme détective et eu certains problèmes.
Ces soupçons qui planaient sur certains problèmes histoire de meurtre se sont révélés non fondés, bien entendu. Ok, donc là on a les mêmes réponses que tout à l'heure. Ouais, les mêmes réponses. Donc je vais dire celle-là, parce que oui, donc, il a abandonné la carrière de détective, pardon, donc c'est bien pour une raison, je pense. Je ne désire que Pan. Tout le reste est pour moi secondaire. Ce sont vos talents de détective qui m'amènent à Paris. Je n'enquête plus Mademoiselle Blake, je n'enquête une commande au tableau. Ok, donc là, si on peut dire... Vous avez parlé d'argent tout de suite. Ouais, donc en fait, je pense qu'on va nous forcer, entre guillemets, enfin ouais, je pense, mais c'est obligé, parce que l'histoire comporte, enfin, et sur ça, donc... Ce que je veux dire, c'est qu'il va le faire pour l'argent. On va dire ça. Je n'enquête plus, Mademoiselle Blake. Mais je n'ai aucune commande de tableau pour l'instant. Je peux par conséquent peut-être vous aider. Vous avez parlé d'argent? Bonne nouvelle. J'aimerais que vous enquêtiez sur une affaire criminelle. Les sous-titres sont pas correspondants, mais c'est pas grave, hein. On comprend, enfin. C'est le même principe, quoi. Bien évidemment, si on pouvait déterminer tout de suite le tout... Ouais, ok, prendre de l'argent encore. Rien d'illégal, il n'y a pas que ça j'accepte, c'est notre... C'est pour ça que ça ne marche, ça me semble honnête. Ouais. C'est clair, c'est un peu... nébuleux, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est un peu fou. Non, pas ça. Ouais. Ça, je pense que c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on sait rien, donc... Pouvez-vous être plus explicite sur le cas? Si vous désirez que je m'en charge, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. Qui est impliqué? Qu'attendez-vous de moi? Que sait la police? Ma jeune sœur et son mari ont été assassinés, Monsieur McPherson. Je veux savoir qui a fait cela. La police n'a rien pu vous dire, j'imagine. Qui enquête sur ce meurtre? Ok. J'espère que je parle assez fort, non? Enfin, je suis assez proche de mon micro, mais comme le jeu est calme, je parle assez doucement, comparé à Dans Amnesia. Ou je suis plus nerveuse, on va dire. Donc, l'argent, le lieu du meurtre, un peu ça n'a rien pu. Les indices. Il y a plein de questions intéressantes, là, en fait. Ça. Non. Là, j'en ai vu une qui me paraissait bien. Ouais, je pense que vu que la police est déjà sur le cas, ça peut compliquer les choses, mais. Comment dire? Je pense pas que c'est un grand intérêt de savoir ça en fait, si la police est déjà sur le cas. Enfin.
On va demander ça. Je pense. Ouais. Mademoiselle Blake, je vais vous demander une chose primordiale pour mon enquête. Que savez-vous des détails concernant la façon dont votre sœur et son époux sont morts ? Les White ont été trouvés décapités dans leur chambre d'hôtel, Monsieur MacPherson. Ok, donc... déjà, elle appelle sa sœur par son nom de famille. Déjà, c'est un peu bizarre. Non, honoraire, non. Non. Ouais, donc les mêmes questions encore. Voilà, ma souris bug un petit peu. J'espère que c'est pas les piles, sinon je vais être obligée de m'arrêter. Un hôtel au cœur du quartier chic de Paris. Je pense que ça ira. Dans le 8e arrondissement, l'hôtel Orphée. Ils y étaient depuis une semaine. On les a retrouvés sans vie dans leur chambre. On va demander ça. Ce n'est pas facile, mais je dois vous poser quelques questions, Mademoiselle Blake. Votre sœur et son époux étaient-ils à Paris pour leur voyage de noces ou pour affaires? Je devais les rejoindre à Paris. Vous savez, Monsieur MacPherson, visiter l'Europe était le rêve d'enfance de ma sœur, Ruby. Avec Monsieur White, c'était réaliser ce rêve. Ils étaient vraiment amoureux. Ok. On va demander ça. Merde, pardon. Mes condoléances pour votre sœur et son époux. La police a-t-elle une piste? Le commissaire chargé de l'enquête, lui avez-vous parlé? Le responsable de l'enquête se nomme Lebrun. Mais la police est la même dans tous les pays, Monsieur MacPherson. Que ce soit à New York ou à Paris, ce n'est guère rapide. Ce commissaire Lebrun obéit à la règle. Ouais, un meurtre, c'est une fille meurtrier, évidemment, c'est logique. Sinon, il n'y aurait pas de meurtre. Dire ça. Pour être honnête, j'hésite à accepter cette affaire. D'abord parce qu'un meurtre signifie meurtrier. Ce commissaire Lebrun est mieux placé que je ne le suis pour arrêter un tueur. Monsieur MacPherson, si je fais appel à vous, c'est parce que je n'ai aucune confiance en la police. Et ce, même si j'avais tout le quai des orfèvres, le commissariat du 8e, Lebrun en tête, tente d'étouffer l'affaire. Vous comprenez? Pas question de nuire à la bonne réputation de leur quartier. Ah. Donc là, on parle d'argent, donc... Ok, donc en fait, on peut que parler d'argent maintenant. Dire ça, c'est plus sympa. Bien évidemment, si on pouvait déterminer tout de suite le taux de mes honoraires, nous aurions tous les deux la conscience plus tranquille pour passer aux choses sérieuses. 1000 par jour, 500 tout de suite. Ah, putain. Dis là. Ah, on va dire ça. C'est une offre raisonnable. J'accepte. Merci, Monsieur MacPherson. Cela signifie beaucoup pour moi. Mmh.
Je réfléchis. Ça, je pensais plus pertinent, on va dire. Avez-vous d'autres informations à me donner? Quelque chose de particulier, un détail personnel, des ennemis connus, un motif qui aurait poussé quelqu'un à tuer les White? Je ne sais pas grand-chose d'autre. Je n'avais pas revu ma jeune sœur depuis longtemps. La police croit au vol. Ma sœur voyageait avec des trésors familiaux pour ne pas oublier ses racines. Je vais jamais faire le connaisseur dans des circonstances moins douloureuses. En fait, j'aime bien un peu toutes les questions, donc c'est la formulation en fait qui change, c'est tout, c'est juste ça. Non, là, je pense pas parce que je pense qu'on a besoin encore un petit peu de d'en savoir un peu plus. Non, je pense qu'on va celui-là. Quel genre de trésor familial? Le pourponneur de Ruby. Une espèce de buste dans ma famille depuis des générations, du côté de ma grand-mère. Ma sœur a toujours été sa préférée. Mm-hmm. Non. Ok, donc on peut plus demander quelque chose, donc et on peut juste dire au revoir. J'espère pouvoir arriver à des résultats assez rapidement. Je vous recontacterai dès que mon enquête aura avancé. Au revoir, mademoiselle Blake. Ok. Donc, nous aussi, on va se dire au revoir, parce que ça fait 33 minutes, déjà. J'ai pas vu le temps passer, en fait. J'étais absorbée par les questions. Donc on va se laisser là. Je pense que je vais tourner un petit peu après parce que je ne crois pas qu'il y ait de sauvegarde. Enfin si, je pense qu'il y en a une quand même. Mais voilà, sauvegarder. Ah ben si, en fait. Parce que le jeu est assez vieux, donc je ne sais plus comment sauvegarder dans les vieux jeux. Mais bon, je pense que c'est ça. Voilà, je vais voir si ça va sauvegarder. Ça, voilà. C'est bon. Donc, on va se laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le jeu vous intéresse. En tout cas, plus que celui d'avant. Parce que moi, il m'intéresse vraiment et j'ai vraiment envie de le faire. Donc, voilà, c'est bien que vous l'aimiez aussi. Voilà. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime et un petit commentaire et aussi vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Twitter et Facebook. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye !